une semaine plus tôt. Et coucou tout le monde, c'est Axe, très heureux de vous retrouver sur la suite de Wolfenstein Youngblood. On va savoir ce qui se passe à la suite de notre mission, mais pour le moment on arrive une semaine avant. Vous pouvez nous laisser ? On va savoir un petit peu ce qui a introduit le premier épisode du coup, comment on en est arrivé là. Oh, les enfants. Hé, hey, qu'est-ce que c'est que ça? Un amplificateur de son. Il y a qu'Arthur et Kenneth pour inventer ça. Mais c'est toi qui l'as fait. Ouais, c'est qui Arthur et Kenneth? Tu vas pas me faire croire que t'as jamais lu les aventures secrètes d'Arthur Pennington et Kenneth Van Holzer? Non mais t'habites dans une grotte ou quoi? Tiens, prends ça. J'ai pas le temps de lire de la fiction. Alors, Arthur et Kenneth sont des super espions et il leur arrive tout le temps. Attendez-toi. Écoutez. Il commence à s'inquiéter, je le sens, même s'il ne m'en parle pas. Il est déjà parti avant, mais jamais comme ça. Aucun appel. Aucune lettre. Et j'ai cherché partout. Il s'est volatilisé. Écoute, d'après les rapports de mes agents, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a quitté le pays sous une fausse identité il y a environ un mois. Mais après ça, on a perdu sa trace. Anya, tu n'avais rien remarqué d'étrange? Un changement de comportement? Non. Je sais pas. Une dépression, peut-être? Parfois, il n'ouvre pas la bouche de la journée. Comme il le faisait à l'asile. Enfin, tu sais comment il est. Toujours à ruminer. Ouais. Je ne peux pas me permettre de partir à sa recherche. Je dois rester ici pour veiller sur les filles, Grace. T'es à la tête du FBI, tu peux vraiment rien faire pour m'aider. Écoute, s'il y avait quoi que ce soit que mes agents et moi on puisse faire pour le retrouver, tu sais très bien que ce serait déjà fait depuis belle lurette. Mais il y a un truc que t'as pas envie d'entendre. Il fait tout pour qu'on le retrouve pas, Anya. Et si cet enfoiré de BJ Blazkowicz ne veut pas être retrouvé, alors personne, et pas même Dieu, ne pourra jamais retrouver sa putain de trace. Ouais. Ouais. Ça fait chier. Quelle connerie. Ils vont le laisser tomber? Ils vont rester là, les bras croisés? Quel gros naze. Mais nous, on va bouger notre cul. Wow, wow, Arthur et Kenneth, ils feraient quoi? C'est des personnages de fiction, Jess. Je suis au courant, demeurez, je réfléchis à haute voix. Je reçois quelque chose qui vient de là-haut. Mais y a rien du tout là-haut. Wow. Et personne savait que c'était là? Négatif. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Venez voir ça, les filles. C'est l'écriture de Seth, ça. C'est qui, elle? Nom de code, Blackbird? Catacombe de Paris? Ça, c'est une piste. Et sans équivoque, il est à Paris. Le truc, c'est que même si on en parle, ils feront sûrement que dalle. Eh ben, dans ce cas, c'est nous qui allons nous en charger, alors. Messieurs, sauriez-vous me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? J'ai comme l'impression qu'il est l'heure pour Arthur et Kenneth de poser leur tasse de thé. Trop fort. Vous êtes trop bizarre. On va se faire un burger, merde. Ah, je t'entends plus. Ah, si. Venez, faut que je vous montre un truc.
ces exosquelettes? Je les ai faits. Tous les généraux nazis en ont maintenant. Vous en aurez besoin. Putain de bordel de merde. T'es vraiment hallucinante, toi. Seth m'a demandé de finir l'un de ses projets, juste avant de mourir. Il y a d'autres trucs sur lesquels je travaille, là, dans la soute. Normal que Grace te veuille dans sa division de recherche avancée. T'iras d'abord en maison de redressement, à mon avis. Elle était un petit peu fâchée tout à l'heure. Tu crois qu'elle s'occupe de ce que pense sa mère? J'en ai rien à faire de ce que les autres pensent. C'est vous, Blackbird? Et à qui ai-je l'honneur, mademoiselle? Ok. Donc ça, c'est après la première mission. On a fait crasher ce foutu Zeppelin. Cette merde. C'est marche ou crève, Soret. Comme papa nous l'a enseigné. Et leur papa était un sacré bourrin aussi. Mission accomplie. Le général Winkler est enfin hors jeu. Regagnez les catacombes, Juju veut vous parler. Compris. Félicitations, les filles. Le général Winkler est mort. Vous avez le nazicide dans le sang, vous, hein? Bah, venant des filles du type qui a descendu Hitler... C'est pas si renversant que ça, au final. C'est un grand pas pour la résistance. Revenez vite nous voir pour planifier avec Jacques notre prochaine action. Juju, terminé. Ok. Alors, on va peut-être aller voir... dans les capacités. Esprit. On a combien? Ok, ça coûte 4, 5... Quand on est comme ça. Je débloque au niveau 10. Premier secours. Gagnez 25 points de santé après avoir ranimé votre sœur. Ok. Augmente la quantité de PV. 125. Trouvez davantage de munitions. Trouvez sur le côté. Ok. Force. Armure 125. Arme double. Permet d'éliminer silencieusement les super soldats. Ça c'est cool aussi. Arsenal plus lourd. Ok. Pouvoir. Pendant une durée limitée. Donc ça, on l'a déjà. Donc ce sera disponible au niveau 10. Plaquage. On l'a pas encore. Bon. Apparence. Ok, on pourrait changer notre apparence. On a tout un tas d'apparences de disponibles. Ça, appliqué à Jess, armée. Ok. Casque. Mon Dieu que c'est moche. On va prendre le casque de l'armée. Alors, signe, corne de métal... Et il y en a d'autres après, par la suite. Ok. Booster. Très bien. Du coup, on va augmenter notre santé. Voilà, ça coûte 1. On va augmenter notre armure. Ça coûte 1. Éliminer les super soldats. Ça coûte 3. Ça coûte... Allez, ça on va le prendre. Et ceci, collecte balistique, plus de munitions. Allez, on va prendre ça aussi. Ok. Pour les armes. On va augmenter ça. Est-ce qu'on peut avoir une lunette?
Ça coûte 310, 330. Je vais prendre la lunette. Ok. Lunette laser. Très bien. Bon. Ok. Élimination pour effectuer une élimination. Ok, ça on le savait. Ils sont mignons. Alors, il y aurait quelqu'un là-haut. Il y a des ennemis par là-bas. Très bien. Est-ce qu'on a des choses à récupérer? Ah bah voilà. Ok. Il y a pas mal d'ennemis. Donc, on va essayer de les éliminer. Je vais voir s'il n'y a pas des choses à ramasser d'abord. Ok, il y a un gros qui arrive ici. Dans l'autre sens. Allez, 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 on le descend. Ok. Le médecin, vite, hop, on se baisse. Ça c'est pas faute de lui mettre des balles lui. Alors se pencher, alt gauche, ok. Niveau 6, ok. On est peut-être un petit peu loin. Ouais, plus on est proche et plus on fait mal. Ok. Oh non de Zeus. Il y a un gros qui arrive. Allez, on va se mettre en haut. On va changer d'arme. Le gros est là. Oh.
Ok. Objet à collectionner. Super. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Allez, venez les petits. Ok, ça passe pas. Hop, balle dans la tête, ça marche bien. Hop, on lui a piqué son arme. Ok. On a sécurisé la zone. Voilà, jouer bourrin. Ouais, jouer bourrin. Je joue pas assez bourrin. On a commencé à évacuer des habitants. Les émeutes parisiennes font rage. Les nazis sont en train de faire dans leur froc. Alors, digicode connecté. Ok. Hein? Attendre la demande de code. Ok. Pas satisfait de cette visée. Bon, si on fouille à droite à gauche, on trouve quand même des petits bonus. Donc faudrait qu'on passe là. Quand même explorer un petit peu plus. Voilà, par exemple on trouve des pièces et de l'argent, c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix. On trouve des munitions, de la vie, de l'or. Ah, bloqué. Dommage, il y a une grosse caisse derrière. Oh, oh, je vais parcourir ce texte. Alors, blablabla.
Allez, on va poursuivre. Ah, faut un code. Vérifions la guérite. Code en approche. Code en approche. Ok. 3075. Ok. C'est pas très discret. Des grenades. Des munitions. Armure au max. Un document. Alors, la nouvelle Wahrheit. Die neue Wahrheit. Au Brésil, ok. Allez, sister, viens. Vie partagée. Très bien. On peut passer par là. Ou on peut passer aussi de l'autre côté. Ils sont par là-bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Il va bouffer ses dents. Je vais ouvrir cette super boîte de conserve. Voilà. Tu te bats comme une pro. Oh merci. Ok, on n'a pas de disquette. Où les méchants? Super soldat laser. Allez. C'est bon, tout le monde est tombé ou pas? On a toujours pas de disquette.
Nouvelle capacité, ça c'est cool. Allez là-haut. Non. Ok, on a une cassette. Allez, on va décoder. Alors, commandant, nous avons retrouvé 3 caisses de la Gestapo volées et les avons mises en sécurité. Code 9567. La seconde se trouve une planque reprise aux terroristes au point de contrôle devant le magasin de disques Megaton. Code 2703. La dernière se trouve sur un toit en face du magasin Uber Technique. Le code 1234, c'est Sébastien qui l'a choisi. Ok. Ouvrons la porte. Oh, ces nazis sont à gerber, Jess. C'est la lie de l'humanité. La putain de lie de l'humanité. Non mais, regarde cet endroit, c'est totalement désert. On croirait un peu la fin du monde. Allez, on va refaire le plein de munitions. Alors, faisons le point un petit peu sur nos armes. Si je suis pas trop fan, je vais peut-être plutôt prendre ça. On va reperdre en cadence de tir, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite. Au niveau de la crosse, on gagne en cadence de tir et on gagne en DPS. On gagne pas mal. Ça coûte combien? 200. Ok. Prochaine arme qu'on booste, c'est la Kugelwehr. Ouais, ce sera mieux. Ok. Alors. Hey, j'ai trouvé un mini-ordinateur. Il contient sûrement des infos. Alors, appuyez pour briser le verrou en tirant dessus. Pour l'ouvrir. Voilà. J'ai un truc vraiment cool sous les yeux. Monte là-haut. Attends-moi, stop, j'arrive. Est-ce qu'on peut se tuer d'ici? Allez, allez. Allez, il faut le finir. Je suis en train de prendre des dégâts là, donc si tu peux. Oh là là, c'est assez efficace comme arme. Voilà, il y en a d'autres qui veulent venir. Ouais, ils sont tous là. Ok. Ouh. Soyez purifiés par les flammes. Oh, je l'ai pas vu. Qui nous tire dessus. Oh là. Négatif,
Ça y est. Ah, on a une nouvelle disquette. Alors, la réserve située sous la gare vient d'être vidée. On a placé... Ok, je reste à votre disposition. Zut. Allez, viens m'aider. Marquer les ennemis avec la touche A. Ok. Maintenant qu'on a foutu le bordel. On a tout fait cramer. Ok, on n'a rien de plus dans le coin. Par contre, on peut passer là. Alors. Pas le bon code. Alors, est-ce qu'on est magasin Uber Technique ? Ah oui. Alors. Uber Technique, c'était 1, 2, 3, 4, si je me trompe pas. Yes! On a une illustration, ok. On a des illustrations, très bien. Lunettes 3D, encore. Collection. Hop, voilà, une meilleure crosse pour ce fusil-là. C'est Jess. Alors, classe d'ennemis. Allez. On va les aider. À la brûle. Jess, tu peux m'aider dans le dos, s'il te plaît. Si. Allez, le prochain objectif, il est par là-bas. On a eu un document. J'ai un truc vraiment cool sous les yeux. Et nombre de vie maximum, on peut pas rouvrir la caisse, très bien.
Allez, on va ouvrir cette porte. Zeus. Alors ils sont où? Allez. J'aime bien cette option. Voilà. On retourne leurs armes contre eux, ça c'est une bonne méthode. Hop, un petit peu d'armure. Un nouveau document. Qu'est-ce dans ce bus? Plein de choses dans ce bus. On peut pas l'ouvrir. Bon bah écoutez, allons dans le métro. Ok, plan du métro, armure, un peu de vie. Allez. On va arriver dans les catacombes. Et voilà, une gâterie rien que pour vous. Oh mon Dieu. Le vin se marie parfaitement bien avec le chocolat. Cigarette ? Pas flippante du tout. Non, 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 tu dois aspirer la fumée jusque dans les poumons, comme ça. À toi. Bon, si seulement nous n'étions pas en pleine guerre, vous passeriez les vacances de votre vie ici, mes chéris. Faites en sorte de bien profiter de chaque petit instant. Mesdames, j'ai décrypté des fragments de renseignements volés sur l'ordinateur. Des rapports de nazis qui ont survécu à une tornade du nom de Blaskowitz. En recoupant ces données et en les associant, j'en ai déduit qu'il était à la recherche d'un endroit appelé le Labo X. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Grouillez-vous. Attends un peu, Jess. Il n'y a que quelques privilégiés qui savent où se trouve le Labo X. Assieds-toi, demeurez. Je t'emmerde. Vous parlez allemand? Suffisamment. Babi? Jawohl. On a intercepté une transmission venant du général Lothar Brandt. Écoutez. C'est tout ce qu'on a. Tiens, donne-moi ça. Le général Lothar a construit les frères pour soumettre Paris et en prendre le contrôle. Dans chacune de ces tours, un Uber-commandant est le gardien des clés des ordinateurs principaux. Oh. Si nous parvenons à mettre la main dessus, nous pourrons alors débloquer l'entrée du Labo X et trouver votre père. Se faufiler dans les tours, tuer les Uber-commandantes, voler leurs clés, accéder aux ordinateurs, et c'est dans la poche de Mamie Maggie. Ma grand-mère s'appelait Janine. Et elle a été tuée par les nazis.
Oh, désolé, vraiment, c'est juste une expression que Kenneth et Arthur utilisaient. Allez, détends-toi, je te faisais seulement marcher un peu. Je la connais, l'expression à propos de mamie Maggie. C'est pour moi. Merci. Sauf, je pense que les frères ne sont pas à votre portée. Il faudra que vous vous entraîniez avant d'avoir ne serait-ce que l'idée de vous approcher des tours. Bon courage. Ah, et n'hésitez pas si vous voulez plus de cigarettes. D'accord, les filles? C'est du bon travail, Abby. C'est dingue ce qu'elle a la classe. Y a pas un truc qui nous échappe? Genre quoi? Le serpent dans les hautes herbes. Tu pourrais pas profiter un peu de la vie de seconde, Jess? C'est vraiment excellent. Mission accomplie, Riverside. Ok. J'ai l'impression qu'on est dans la planque ici. Mission en raid, frère 2. J'ai l'impression que ces crânes me regardent. Ouais, parce que t'as trop la classe là-dedans, Jess. Alors, personnage. On a 4 points. Pas de côté, plus mage. Ouais, ça peut le faire. Force. Arme double. Permet le double maniement d'armes. Ouais. Ça, j'aime bien. Chasseur de super soldats. Je vais prendre ça. Il reste un point. Donc, pour le moment, ça va pas être possible. Ok, au niveau des armes. On a un petit peu de bonus. Alors, est-ce qu'on boosterait pas cette petite arme ici? On a déjà une visée laser. Au niveau de la crosse. On gagne pas mal, hein. Cadence de tir, prise en main. C'est plutôt cool, ça coûte 200. Hop là, on va acheter ça. En collection, qu'est-ce qu'on a? Des documents. Ok, c'est juste des petits bonus au final. Ok. Alors, tenue texane, Jess. Droïde de casino. Table de buffet de sushi. Ok. Alors, on a des nouvelles missions. Trouver les frères. Ça vous donne pas mal d'XP. Mais si on est un petit peu léger pour ça... Ça risque d'être un peu compliqué. On aura certainement d'autres missions à prendre. On est dans notre base, dans les catacombes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, ça c'est pour la musique. On récupère diverses choses. On va se faire plaisir. Ok. Elite Hunts. Excellent. Des vieux jeux d'arcade qui sont disponibles. Bonjour. Yo, ça boum ? Parce qu'elle nous vend. On a le plan. Et on est dans les catacombes. Alors potentiellement si on va par là. Voilà, on aura des nouvelles missions à prendre. Avant de s'attaquer aux frères. On peut refaire le plein. Au niveau de l'équipement. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Abby Walker est ici. Il y a plusieurs niveaux. J'explore un petit peu. Ok. Hop, plus 50. Très bien. Catacombe, constitue votre base d'opération. Donc ça, on avait compris. On appuie sur E pour aller récupérer une mission. Eh bien, écoutez, ce sera... pour le prochain épisode. Hop là, on a des petites lunettes à récupérer ici aussi, ça fait toujours des points supplémentaires. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que la série vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous retrouve très rapidement pour la suite de cette aventure. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite. Bye bye.